Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode des Lads from Mac. Ça va être notre petit mode carrière sur Macclesfield Town sur FIFA 19. Alors on va attaquer tout de suite. Donc nouvelle carrière évidemment puisque je viens de récupérer le jeu. Carrière de manager, ça c'est évident. Donc Macclesfield, vous voyez que les attentes vont être assez faibles hein, de la part du CA. Et puis ça nous arrange aussi. La valeur du club est très faible, il va falloir pas mal booster. Par contre je suis pas sûr que Macclesfield ait été créé en 76. Il me semble que c'est 74, c'est un peu marqué sur le logo d'ailleurs, hein, je veux pas dire, mais bref. Donc voilà, vous voyez que les maillots sont plutôt sympas, domicile extérieur, les deux sont plutôt pas mal. C'est une petite ville, pas très loin de Manchester, Macclesfield. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? On les appelle les Silkmen ou les Lads, notamment à cause de la musique, enfin du groupe qui a chanté la musique du générique, les MacLads. Et quoi d'autre? Ils viennent de remonter en 4ème division. Et là tout de suite ils sont derniers ils sont derniers en 4ème division maintenant. Et ils ont remporté le championnat la saison dernière en conférence nationale. Autant vous dire que les choses ne vont pas fort là tout de suite du côté de Macclesfield. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand je suis revenu sur FIFA, c'est-à-dire en 2010, c'est cette équipe que j'ai joué. Et c'est dans cette équipe que j'avais mis mon joueur que j'avais créé, enfin mon moi quoi. Et on peut plus le faire depuis. Et donc quand j'ai vu qu'ils étaient remontés, je me suis tout de suite dit que c'est eux que j'allais prendre. Et c'est effectivement ce que je vais faire. Alors, point de vue du physique, notre coach va ressembler à ça. Plutôt la classe, faut pas déconner. Et son petit nom, ce sera une vieille connaissance pour les amateurs de ballon, puisque le nouvel entraîneur de Macclesfield, comme vous le savez tous bien entendu, c'est Clarence Seedorf. Alors, hop, l'ancien entraîneur du Milan AC qui est parti en Chine et tout, il en a eu marre, il était en Chine, ça l'a saoulé parce que bon, on parlait pas de lui, il avait des joueurs de merde, des résultats de merde. Ça l'a gonflé, il s'est dit allez, je me casse, j'en ai rien à foutre. Et il a dit je vais retenter ma chance en Europe. Il a réussi à choper un petit contrat dans un tout petit club, hein, vraiment, en Angleterre. Et c'était parti. Donc, alors au niveau de la difficulté, on va rester en pro parce que honnêtement, je sais pas où j'en suis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à FIFA. Donc on va rester en pro dans un premier temps. J'ai vu qu'il y avait un mode ultime. Je pense que je vais pas y toucher. A priori, je risque de taper champion ou légende, je pense. Mais j'en suis pas sûr. Je vais peut-être, alors ça j'en suis pas sûr, mais je pense à le faire. Faire un système de dés en fait avant chaque match pour délibérer, enfin pour choisir fruit du hasard, la difficulté, mais je suis pas encore sûr de le faire. 5 minutes pour chaque période, euro, ça, bah oui, de toute façon nous on n'est pas concerné donc on s'en fout. Équipe actuelle, le stade c'est Moss Rose. Oui, parce que j'ai mis tous les vrais noms, il faut pas déconner. J'ai mis les vrais noms de toutes les équipes. Alors je connais pas l'effectif, là je viens de passer environ 4 heures à changer le nom de tous les stades. Et c'était super relou, j'ai pas changé le nom des joueurs de Brésilien et je pense que ça va me gaver, du coup je vais pas prendre de Brésilien. Mais voilà, on va essayer d'être très 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 réaliste sur ce mode carrière, à savoir que dans un premier temps, je ne recruterai que dans le championnat anglais. Donc évidemment je vais pas prendre des mecs de première ligue, hein, faut pas déconner, plutôt des mecs qui sont en... 3ème et 4ème division, peut-être 2ème, mais ça m'étonnerait. Ça, on peut écraser. Hop. Donc en première ligue, en Écosse, en Irlande, et dans les pays anglophones en général, mais pas trop loin. Donc en gros, c'est ça, Irlande du Nord, Angleterre, peut-être Islande aussi, je vais y réfléchir. Parce que l'Islande, en fait, s'il y a des joueurs qui veulent jouer en Europe, le plus près c'est l'Angleterre. Donc pourquoi pas s'il y a des joueurs qui sont pas trop abusés non plus. Les invitations, donc on va refuser les compétitions d'avant-saison. Oui, pas de match amico, on s'en branle. Pourquoi? Parce que d'une, ça fait perdre du temps. De deux, j'essaie de le faire un minimum réaliste. Alors je vais pas être hyper carré, etc. Je vais juste essayer de faire une compétition qui soit un peu réaliste. Bon, alors le bureau, j'imagine que c'est toujours les mêmes merdes que d'habitude, voilà. Donc, ils se sont vraiment pas fait chier, hein, Electronic Arts. Ça doit faire... Ah, je pense 4 ans que ça a pas changé le mode carrière.
ils sont en mode on s'en bat les couilles complet. Bon, de toute façon, les Electronic Arts, c'est un mystère pour personne. Hein. Ils privilégient de très très loin FUT là, FUT, Ultimate Team, auquel je me refuse complètement à toucher parce que bah, c'est du carte panini quoi, c'est un peu un piège à con quand même. Et puis c'est des loot boxes donc voilà, c'est pas trop la classe. Donc voilà. On va déjà jeter un petit coup d'œil à l'équipe. Alors le dispositif, ça va pas être possible. On va partir sur un 4-4-2 étiré. Voilà, ça j'aime bien. On changera peut-être hein, pour un 4-3-3, je dirais. Mais ça me paraît pas mal. C'est quoi équilibré? Ah d'accord, équilibré. Tactique, style défensif. Pressing de tous les instants. Reculer. Ah. Pressing à une paire de balles, pressing constant. On va peut-être partir sur pressing constant. Bon, de toute façon, là, je voulais plutôt jeter un coup d'œil au mec de l'équipe, en fait. Voilà. Donc, devant, Blissett, ça a l'air d'être le meilleur. Whittaker, 5 milieu, donc il va pas rester sur le terrain. Donc, on a Wilson, Smith ou Ponticelli. Il est italien, lui. Il est anglais, lui. Ah, on peut pas le voir, merde, bon bah c'est pas grave. Du coup bah on va mettre Wilson a priori, mais je voudrais bien voir. Ouais, Wilson, il est beaucoup plus rapide. Alors je sais pas quel genre de FIFA c'est, hein. Vous savez que les FIFA, il y en a deux types, c'est soit le mec qui court vite il est avantagé, soit le mec qui est costaud il est avantagé. Donc voilà, on a dit Whittaker, il allait rester là. Evans, la vache, ils ont vraiment une équipe dégueulasse hein. Oh, Michael Rose, tiens, lui je le connais. Alors du coup, Evans il va peut-être dégager. Parce que Michael Rose c'est un 62, il est peut-être plutôt offensif. Michael Rose en fait, attendez, hop. Michael Rose, il est là. T'es plutôt MC, MDC, pied gauche. Alors lui il est très bon tireur de coup franc. Enfin, il était très bon tireur de coup franc, je sais pas s'il est encore. 74, ah, ça a bien baissé quand même. Et la puissance. Ah ouais, non, il est plus si bon que ça. Bon, il est quand même pas mal, hein, ce sera notre tireur de coup franc attitré. Donc, évidemment, ce sera notre titulaire. On n'a pas un joueur au-dessus de 62. Nos meilleurs joueurs, ils ont 62. Elle va être chouette, la saison. Fitzpatrick, ok. Kelleher, on va laisser là-haut. Oh la vache. Il est un peu moche. Personne. Déjà, le mec, quand tu vois qu'il a pas de visage, c'est pas bon signe en général. Et donc Taylor qui sera notre gardien. Donc ça c'est fait. Ensuite sur le banc, ça va sortir. Le gardien remplaçant, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Arthur c'est pas mal. Ah, mais il y a mieux à droite. Darrell, ok, très bien. Est-ce que tu peux faire à gauche toi mon grand? Tu peux faire à gauche, et bon, on va le mettre à gauche à la place de Lloyd, qui est un petit peu plus léger. Oh putain, le banc il fait peur. On va pas se mentir, le banc il fait peur. Bon, bref. Je vais essayer de recruter un ou deux joueurs. On a vu grosso modo. Alors, attendez. On va continuer une modification. Donc, en gros, a priori, on devrait avoir en pointe Blissett et Wilson. Whittaker en meneur de jeu. Arthur à gauche. Et Durell à droite. Michael Rose à la récupération. Fitzpatrick, Grimes, Lowe. Personne en défense et dans les cages. Taylor, faudra que j'apprenne leurs petits noms à tous parce que là je les connais pas trop encore. Mais voilà, ça devrait être à peu près notre équipe. Vous voyez que le banc c'est pas la folie. Hein. Le banc c'est pas la folie. On a 14 joueurs en tout sur le banc, donc ça nous fait un effectif de 25 joueurs, ça c'est bien. Parce que parce qu'on aura pas grand chose à faire. Je vais commencer par mettre tous les joueurs en vente. Je vais pas vous imposer ça, je vous expliquerai les règles au fur et à mesure. Alors brièvement, je vais pas me jeter sur tous les joueurs sans contrat du monde. Je vais m'autoriser un joueur sans contrat par période de recrutement. Donc ça veut dire un maintenant, un en janvier. Et pareil pour ce qui est du staff, du recrutement, du centre de formation, pardon. On va partir sur des règles un peu plus compliquées, je vous expliquerai peut-être au fur et à mesure, mais bon, là c'est le début, donc du coup, je vais faire ça maintenant. Dans les recrutements de jeunes, alors attendez, j'ai quand même pas beaucoup de thunes. On va peut-être partir sur ce Danois là. Non, on va partir sur Oscar Lewis, parce qu'on va rester en Angleterre.
dans un premier temps, on va mettre Oscar Lewis en place. Putain, c'est exactement comme dans les épisodes précédents. Les mecs, ils sont en mode, on en a plus rien à foutre, quoi. C'est impressionnant. J'ai joué un seul match pour l'instant, un match Juve PSG en pro. J'ai gagné 5-3. Mais alors, ma défense, c'était du beurre, c'était une catastrophe. Mais bref. Et c'était la Juve, hein, quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, pour le recrutement des jeunes, en fait, donc les mecs vont trouver des joueurs au fur et à mesure, etc. Pas plus d'un joueur au-dessus de 85 par saison, signé. Et pas plus d'un joueur au-dessus de 80 en plus du joueur au-dessus de 85. En dessous, vas-y Benoît, fais-toi plaisir, tu peux en prendre 50 si tu veux. Il faudra aussi garder une moyenne d'âge au-dessus de 23 ans dans l'équipe, en moyenne, voilà. Histoire de pas non plus avoir une équipe de bébés. J'ai quelques autres règles comme ça que je vous dicte, enfin que je vous donnerai au fur et à mesure. Mais on va essayer de faire ça un tout petit peu réaliste. Bien, sur ce, je suis toujours là et je sais pas pourquoi. Voilà, merci. On va dégager ça parce qu'on s'en branle. Je coupe la vidéo, on se retrouvera plus tard. Je vais régler tout ce qui est administratif. On devrait se retrouver tout simplement pour les premiers matchs de la saison qui seront donc le mois prochain. Donc on en sera contre Swindon Town. Ensuite on aura Grimsby, Bury en coupe, c'est en League Cup j'imagine. Carabao Cup. Ok, j'imagine que Carabao ça doit être le nouveau nom de l'anciennement St. Johnson Cup. Ensuite on aura Oldham, Cheltenham et Mansfield jusqu'à la fin du mois d'août. On va peut-être faire le mois d'août entier dans cet épisode, on verra. Je vais déjà essayer de procéder à quelques ventes et quelques recrutements plus tard. Ok, première vente de cette session. On a réussi à vendre, je crois que c'est Sean David. David Fitzpatrick, qui était mon arrière-gauche, qui part à Göteborg. On l'a vendu pour 205 000, mais on récupère que 140 000 dans l'histoire. C'est pas très très intéressant, j'ai pas franchement fait une bonne affaire. J'espère que je vais arriver à le remplacer rapidement. On a reçu pas mal d'offres pour Tyrone March. J'ai pas souhaité le vendre pour l'instant. Je vais voir ce que je fais. À plus tard. Ok, 20 août et deuxième vente. On a vendu Kobe Arthur, qui était censé être notre milieu gauche titulaire. Alors on a vendu 320 000, mais on récupère que 220 000 dans l'histoire. Les mecs, ils se sont sucrés au passage. Ce qui fait que je perds des joueurs, mais je fais pas vraiment de bénéf et ça m'emmerde un peu ce qui se passe, pour tout vous dire. Je vais essayer de voir dans les joueurs que je supervise s'il y en a pas un qui pourrait être pas mal. Là on a une offre pour Wilson. Alors Scott Wilson, je sais pas qui c'est, mais je pense pas que ce soit un titulaire. Ah si, c'est le Antoine Griezmann discount. Ah non, c'est Smith, merde. Alors c'est qui Wilson? Ok, bon, on va voir ça. De toute façon, on a pas mal d'attaquants, donc on peut se le permettre. Non, on veut pas quitter. Email de joueur. À propos du poste de Arthur. Oui, non, mais toi, t'es un joueur prêté, donc je te fais pas jouer. Va crever. Ok, on en reste là pour l'instant. Je vais essayer de voir s'il y a des joueurs plus sympathiques qui nous attendent. Allez, troisième vente, on a vendu Scott Wilson, un de mes attaquants. On est arrivé à le vendre à un bon prix. On l'a vendu à Forest Green, qui est un concurrent direct, pour 280 000 euros. On récupère encore que 190 000 dans l'affaire. Du coup, notre autre proposition qu'on avait acceptée aussi, qui était moindre, n'est pas passée. Et franchement, ça m'arrange plutôt. Et là, on a de nouveau une offre pour Tyrone March, qui est un de mes autres attaquants. Alors j'ai pas mal d'attaquants, du coup je vais peut-être accepter. On est le 31 juillet, on va bientôt attaquer le premier match. Allez, quatrième vente avec la vente de Ryan Lloyd, qu'on est arrivé à vendre pour 195 000 alors qu'il en valait, je crois, 140. On récupère que 130 000 encore une fois. En gros, on récupère deux tiers, on perd un tiers sur chaque transaction. Ça fait un peu mal au cul, hein. Ça va être compliqué d'améliorer l'équipe comme ça, mais on va faire notre possible, on continue.
Ok, allez, on est parti cette fois-ci pour le premier match de la saison entre Swindon et Macclesfield Town. À chaque fois, j'ai envie de dire Macclesfield United parce que mon délire, ça avait été d'appeler Macclesfield Town, Macclesfield United en 2010. Donc, faites pas gaffe. J'ai vendu beaucoup, beaucoup de joueurs. Vous voyez que mon équipe qui était déjà pas forcément folichonne à la base, bah, c'est pas franchement amélioré. On a un peu renfloué les caisses, gentiment. On est à 1,5 million pour l'instant. De budget transfert qu'on peut dépenser, donc on a quelques joueurs hein, qui sur lesquels on a un œil. Alors brièvement, parce que je vais pas tous vous les montrer, il y en a qui sont quand même plus intéressants que d'autres. Alors j'en avais un, mais je viens de me rendre compte d'un truc, c'est lui qui a que 60 mais qui était quand même assez rapide, etc., et plutôt plutôt réactif, et je me suis dit celui-là je vais me le faire. Sauf que en fait il vient d'arriver au club, donc il va y rester. Par contre lui est pas mal, il a 21 ans, il a que 59, il est pas très cher. Ça pourrait être une des recrues sur lesquelles on pourrait se baser. Alors, qui j'avais d'autre? Rhys McCabe c'était pas mal mais c'était un peu cher. Lui ça pouvait être une solution de dépannage. Mince, lui il était pas encore prêt mais il va être bien. Alors lui, il fait que 60 000, il est pas très cher. Il a 34 ans par contre, j'ai déjà beaucoup de joueurs assez âgés. Mais bon, c'est 60, c'est plutôt au-dessus de ce que j'ai, donc à mon avis il va finir dans l'équipe. Lui il viendra jamais. Lui il est un petit peu trop cher je crois. Mais il a 68, ça pourrait être le patron de ma défense. On va quand même y réfléchir hein, parce que ma défense est quand même très très faible et ça pourrait servir 2-3 ans ça. Qui d'autre? Lui je vais complètement l'acheter a priori, John Dunleavy, parce que j'ai besoin de renfort autant en défense, au centre, à droite et à gauche. Pas trop à droite pour être honnête, mais surtout au centre et à gauche. Donc ça risque de le faire. Et on garde un œil sur le gardien de Huddersfield, Coleman, qui a 22 ans, qui a 63, mais qui est prêté, donc ce sera pas pour cette période de transfert. Voilà, allez, assez parlé, on attaque le match. On va se le faire à l'ancienne, on va faire des versions plus courtes des matchs, histoire de pas non plus faire des vidéos hyper hyper longues. J'ai essayé de faire beaucoup moins long que ce que je faisais auparavant. On va voir ce que ça donne. Premier match sur ce mode carrière FIFA 19, Swindon Town, Macclesfield, c'est parti. Elle était attendue depuis un bon moment déjà, la rentrée scolaire des fans de foot et des fans de EFL League 2, avec cette rencontre entre Swindon Town et Macclesfield au County Ground de Swindon. Deux équipes au destin un peu croisé hein, puisque Swindon Town est récemment redescendu de League 1, tandis que Macclesfield remonte cette année tout juste de conférence nationale après avoir passé 6 ans ou 7 ans, j'ai un petit doute, dans l'antichambre de l'élite si l'on puisse dire. Deux équipes un petit peu en construction, notamment du côté de Macclesfield, puisque certains cadres sont partis tout récemment, tandis que d'autres sembleraient sur le départ. On s'active du côté de Clarence Seedorf pour reconstruire une équipe un peu plus homogène. Alors, du côté des compositions, du côté de Swindon Town, on a McCormick dans le but, une défense, Noel Nelson, Lancashire, Taylor, au milieu de terrain, Naughty, Diaguraga, McLachan, Yann Dolo et Anderson, et Richards, la recrue donc 36 ans, qui sera seul en pointe. Du côté des visiteurs à présent, Taylor dans les buts, une défense personne, Low, Grimes, Welchise. À la récupération, Michael Rose, Durell sera à droite, Vincenti à gauche, Whitaker en meneur de jeu. Et en attaque, Nathan Blissett associé à Tyron March. Dans un match qui va tarder à démarrer, ce sont les locaux qui se montrent les premiers dangereux. La reprise de McLachan qui passe très largement au-dessus des buts de Taylor. Pas de problème de ce côté-là. 27ème minute à présent, on retrouve Vincenti qui passe dans la profondeur pour Nassen Bissett. Nassen Bissett qui tente la frappe, il ouvre un petit peu trop son pied. Et pas de danger sur le cage de Swindon. On revoit l'action avec Nathan Bissett, un petit peu trop optimiste sur celle-là, qui a voulu éviter le gardien, mais ça lui a pas réussi. 32ème minute à présent avec Peter Vincenti qu'on retrouve sur le côté gauche. Vincenti qui s'infiltre, la passe pour Bissett, la frappe de Bissett qui n'inquiète pas le gardien. 35ème minute à présent avec Richard qui parvient à s'échapper, la frappe de loin. Il a tenté le lob sur Taylor, mais Taylor n'est pas inquiété par la frappe qui passe largement
au-dessous de la barre du vétéran. 70e minute à présent avec la frappe de Jan Holde qui passe une nouvelle fois nettement à côté. 77e minute désormais, c'est Tyrone Marsh qu'on retrouve. Tyrone Marsh qui dribble, qui s'infiltre, qui frappe, mais la frappe est complètement ratée. On en restera là. Un triste 0-0 entre ces deux équipes pour l'ouverture de cette Ligue 2. On aurait espéré mieux de la part de ces équipes, mais Macclesfield est une équipe promue, elle doit jouer la prudence, et c'est ce qu'elle a fait clairement lors de cette première journée de championnat à Swindon sur le terrain du County Ground. Swindon 0, Macclesfield 0. Bon, et ben c'était un bon match de merde, un bon match de merde pour commencer, ça fait toujours plaisir, je vous ai gâté, je me suis dit premier match, hop hop hop, on va leur servir un petit 0-0 des familles, ils vont adorer. Alors, en termes de possession, on a légèrement dominé, mais légèrement, vraiment, il n'y a pas eu grand chose. Ils étaient assez défensifs, le jeu était plutôt intéressant, je dois dire. Manque de précision de leur part sur les tirs, c'était catastrophique. Et au niveau des tirs, on a... Bon, c'est assez équitable, hein, quand même, grosso modo. Mais on a plus cadré qu'eux, par contre, il faut vraiment... Vraiment que j'apprenne à maîtriser les tirs dans ce FIFA parce que pour l'instant en fait je fais des tirs de poussin à part une frappe, la frappe de Blissett là qui passe à côté mais qui est bien dans l'esprit, sinon mes frappes ça a été n'importe quoi quasiment à chaque fois. On va revoir d'ailleurs la frappe de Blissett d'ici une seconde, mais voilà les notes, on a Vincenzi qui est pas mal avec 7-7, c'est quand même Lowe qui a la meilleure note alors que c'est un défenseur, c'est jamais très très bon signe, hein, on va pas se mentir. Nathan Blissett est pas mal, Tyrone Marsh aussi, j'aime bien, je pourrais peut-être les garder un peu plus longtemps. Alors j'ai pas pu faire rentrer mes remplaçants, je voulais sortir Michael Rose et je crois que c'est Blissett que j'avais prévu de faire sortir également. Mais il n'y a pas eu d'arrêt de jeu en fait sur la fin du match. Il n'y avait pas de frappe, ça partait d'un côté à l'autre, ça partait d'un côté à l'autre mais ça s'arrêtait grosso modo au milieu de terrain, donc forcément il se passait pas grand chose. Bref, donc la frappe de Blissett, ouais, la passe de Vincenzi dans la profondeur, le gardien qui foire sa sortie, et en fait il ouvre complètement trop son pied cet abruti. Je sais pas pourquoi il ouvre son pied à ce point-là, mais c'était complètement n'importe quoi. Enfin bref, c'était le premier match, c'était un 0-0, c'était pas terrible. On voit que Grimsby Town a fait un 3-1. Ça a l'air d'être le plus gros résultat, 3-1 face à Forest Green. On va couper juste ici, on se retrouvera à un prochain match. Ok, on va reprendre à partir de maintenant, on est sur le point de jouer le match à domicile contre Grimsby Town. Mais il s'est passé pas mal de choses pendant l'interruption. Alors on va filer direct au niveau des transferts, je pense. Donc... au niveau des transferts, hop, c'est où? Alors, on a reçu une offre pour l'eau, mais je peux pas voir ceux qui sont déjà partis. C'est un petit peu pété, ça. Alors, bon, on a Tyrone Marsh qui est parti, donc mon buteur qui n'avait jamais marqué, qui n'aura jamais marqué sous le maillot de Macclesfield qui est parti. On a également Deret qui était le milieu droit, qui avait 61 de général, qui est parti également. Et on a un troisième joueur qui était latéral droit, qui valait 90 000. Je les ai plutôt tous assez bien vendus. Donc de ce côté-là, je suis assez satisfait. Et j'ai eu quelques nouvelles recrues, donc John Dunleavy qui vient. Mais on peut pas voir d'où ils viennent, ça aussi c'est chiant. Je dois rater un truc. Historique transfert, voilà. De mon club, voilà, très bien. Donc, les derniers trucs qui sont passés, c'est le départ de Tyrone Marsh pour Tromso IL en Norvège, je crois, pour 400 000. Donc, belle vente. Par contre, évidemment, c'est encore fait saigner par le conseil d'administration. Durel qui est donc parti en Chine pour 340 000. Là aussi, on a perdu pas mal de sous dans l'histoire. Et Hotkiss qui avait 59, qui était plutôt mon troisième latéral droit. Du coup, je l'ai dégagé. Il valait 90 000. J'ai vendu 105 000. J'ai dit ça ira très bien. Et dans le même temps, on a récupéré 3 joueurs. Donc, George Williams. George Williams qui est défenseur central, 25 ans, qui peut faire d'autres postes également. On a également récupéré John Dunleavy, un Irlandais qu'on a acheté à Saint-Patrick. Le premier c'était à Cork City, le premier c'était à MK Dons. Et on a acheté Kylian Brennan à Saint-Patrick, c'est ça, pour seulement 50 000. Il est pas mal, hein. Vous voyez que sur les coups francs, ça peut dépanner. C'est pour la 4ème division anglaise, ce sera suffisant. En tout cas, bref, allez, ça c'était pour ce qui s'était passé pendant la pause. On va maintenant attaquer tout de suite avec le match Macclesfield Grimsby Town, samedi 11 août 2018.
Deuxième journée de football League 2 et la réception ici au Moss Rose de Macclesfield de Grimsby Town. Grimsby Town qui avait pris la tête du championnat après la première journée grâce à sa victoire 3-1 face au Forest Green Rovers. Première réception donc de la saison pour Macclesfield et deux nouveaux joueurs, George Williams et Don Levy, qui sont arrivés respectivement de du MK Dons et de Cork en Irlande. Le défenseur irlandais de 27 ans qui allait faire ses premières armes avec l'équipe de Macclesfield à l'occasion de ce match. Une équipe de Macclesfield dans laquelle on retrouve Taylor dans les cages, Pearson, Williams, Grimes et donc Don Levy en défense. À la récupération, Michael Rose n'a pas associé à Vincenti sur les ailes. Whittaker en meneur de jeu et Smith associé à Bissett en pointe. Une équipe assez classique. Les petites surprises sont Napa en milieu droit et donc les titularisations d'entrée de Don Levy en arrière gauche. Du côté de Grimsby Town, on a McKeon dans les buts, Luke Hendry, Whitmore, Davis et Fox en défense. Un milieu de terrain composé de Welsh, Fulford, Rose et Senthaler et Pringle. Et Pringle, c'est ça. Et Thomas qui devrait se débrouiller seul en pointe. 4 minutes de jeu, ce sont les locaux qui se montrent les premiers dangereux avec Whittaker qui passe dans la profondeur pour Blissett. La frappe de Blissett, elle est puissante, mais le portier de Grimsby Town qui parvient à faire son office. On va avoir la belle sortie. Beau plongeon, la frappe est pas très très bien placée, hein, faut dire. Mais on en reste à 0-0. 15 minutes de jeu à présent et Blissett une nouvelle fois lancé dans la profondeur. La frappe de Blissett, c'est le poteau cette fois-ci qui s'interpose. On en reste à 0-0. Mais que ce fut chaud après un début pourtant canon hein, de match des joueurs de Grimsby. Maintenant, clairement, ce sont les joueurs de Macclesfield qui ont mis le pied sur le ballon et qui se procurent les occasions les plus dangereuses. 24e minute de jeu, récupération de Michael Rose. Le ballon qui revient sur Smith. Smith qui lance dans la profondeur. Nathan Blissett a du champ. Il est pourchassé par Luke Henry. Luke Henry qui tacle. Le tacle est jugé illégal selon l'arbitre, tacle illicite. On va revoir bien entendu tout ça au ralenti, mais l'arbitre qui ne semble pas hésiter et qui exclut le défenseur de Grimsby Town. Grimsby Town, les joueurs de Grimsby Town qui vont évoluer pour 65 minutes à 10 contre 11. Le coup franc tiré par Michael Rose qui passe malheureusement nettement à côté. On en est toujours à 0-0, mais avantage numérique pour Macclesfield. Napa qui récupère le ballon, qui remet sur Smith. Smith qui voit le décalage pour Blissett. Il tente de remettre sur Vincenti. La frappe de Vincenti et l'ouverture du score de Peter Vincenti. 1 Vincenti 1 à 0 après 38 minutes de jeu. Les joueurs de Grimsby Town qui ont tenu une petite dizaine de minutes à 10 contre 11. Mais Macclesfield qui poussait déjà hein, depuis le début de ce match, qui finit par inscrire le premier but après 38 minutes de jeu. On va revoir le jeu intelligent là avec la belle passe de Blissett et la frappe croisée de Vincenti qui ne laisse aucune chance au portier. 43e minute de jeu et Vincenti que l'on retrouve. Vincenti qui tente de remettre cette fois-ci pour Blissett et Blissett qui se rate complètement sur la frappe. On est en deuxième mi-temps à présent, 55e minute. Et Whittaker sur le côté droit. Whittaker pour Blissett. Le 1-2 parfait. La frappe de Whittaker et c'est superbement repoussé par le gardien de Grimsby Town. On va avoir le bel enchaînement, le 1-2 et Whittaker qui voit sa frappe repoussée d'une manchette. 60e minute de jeu à présent, Don Levy qui remet sur Smith. Smith, le petit décalage pour Blissett et la frappe de Blissett qui cette fois-ci double l'écart. 2 à 0 pour Macclesfield. Cette fois-ci, les affaires semblent compliquées avec un joueur de moins pour Grimsby Town et deux buts de retard. Petit manque hein, de précision dans ce match pour Nathan Blissett. Comme dans le match précédent d'ailleurs, mais Nathan Blissett qui parvient à signer son premier but en Ligue 2. 66e minute et nouveau départ de Whittaker sur une belle passe en profondeur. Whittaker qui va passer sur Blissett, mauvais contrôle, mais il parvient tout de même à frapper une frappe un peu faiblarde. Mais le doublé pour Nathan Blissett qui va offrir son cœur aux supporters des Silkmen. Deuxième but donc pour Nathan Blissett après 68 minutes de jeu. La messe est dite ici à Moss Rose. Le corner à présent 71e tiré par Michael Rose. C'est pour la tête de Brennan. La tête de Brennan qui passe d'un cheveu à côté des cages de Grimsby. C'était très très chaud. Et Brennan qui a failli inscrire son premier but pour son premier match hein, sous ses nouvelles couleurs. Et on revoit la tête qui passe vraiment de pas grand chose à côté de McKeon qui a eu chaud. Vincenti qu'on le retrouve 86e minute sur le côté gauche. Vincenti qui passe. Et Grimes
qui était aux avant-postes, qui parvient à marquer un but pas très joli. Mais l'essentiel, c'est que ça fait 4 buts à 0. Large victoire des Siltmen face aux joueurs de Grimsby qui n'auront pas vu le jour, bien plombé, hein, il faut bien le reconnaître, par l'exclusion de leur défenseur. Et aussi par la belle performance de Nathan Bissett, auteur de 2 buts et une passe décisive. 4 à 0 donc pour Macclesfield face à Grimsby, but de Vincent, Bissett et Grimes. Ah bah tout de suite, hein, le foot c'est beaucoup plus facile à 11 contre 10. On leur a mis une dégelée, pardon, on leur a mis une dégelée, mais on a bien été aidé par le défenseur adverse qui s'est gentiment pris un carton rouge. Il m'a fait un tacle, mais de bourrin. Honnêtement, comment tu veux qu'il prenne pas un carton rouge là-dessus? Alors on va me dire, il touche le ballon, ouais, il touche le ballon, mais bon, il a découpé le joueur avant, quoi. Ah, regardez-moi ça, attendez, hop là. Attention, regardez bien. Oui, je touche le ballon, aïe, mais putain. Enfin, c'est à la limite de l'attentat, quoi. Blissett, il m'en a raté, il met un doublé, donc c'est bien. Mais par contre, il m'en a raté une ou deux avant. Oh, il est, alors, il met 2 buts qui sont ce qu'ils sont. Il met un doublé en 6 minutes, quand même. Hein. Premier but, bel enchaînement. Franchement, joli enchaînement. Et puis, la petite frappe de merde qui rentre. Et ça suffit. J'ai failli mettre un but magnifique, d'ailleurs, sur un enchaînement entre Blissett et... milieu offensif chauve de 37 ans, je sais plus ce que c'est son nom. Malheureusement, ça a été repoussé, mais je pense que ça aurait été le but de la journée. Son deuxième but, par contre, c'est, je vais pas dire que c'est un but casquette, mais c'est pas un très joli but, quoi. C'est genre, enfin voilà, c'est un bon but de Ligue 2, et on termine avec un petit but de Jimmy Grimes. Alors lui, je sais même pas à quel poste il joue dans l'équipe, mais bon voilà, c'est le but de, oh tiens, il y a un ballon, bon bah voilà quoi. La frappe est dégueulasse, ça rentre parce qu'il a 1 mètre du but. Enfin voilà. Donc, belle victoire, tranquille. Encore une fois, grâce à la commisération du défenseur là. C'est qui ce héros d'ailleurs? Hendry. Grâce à Hendry qui s'est pris un gentil carton en rouge et ça m'a ouvert des boulevards dans tous les sens. D'ailleurs, il y en a un autre, ouais, Whitmore, qui s'est pris un carton jaune un peu plus loin. Et j'ai presque eu peur pour lui, mais ça aurait été abusé là, le carton rouge quand même. Par contre, il y a un moment où il n'y a pas eu de faute. Honnêtement, il aurait peut-être pu avoir un deuxième carton rouge, mais bon. On va pas pleurer, hein, on a gagné 4 à 0. Peter Van Santi qui met un but et qui fait une passe décisive. Bissett doublé plus passe décisive. Whittaker, c'est lui que je pensais tout à l'heure, qui fait une passe décisive également. Voilà, et Smith aussi, je sais plus ce que c'est son prénom, qui fait une passe décisive. Voilà, dans l'ensemble, honnêtement, ça va. On va pas accabler les joueurs, c'était plutôt une belle performance. Contre une équipe qui était franchement faiblarde. Du coup on va commencer à penser. Je vais faire au moins 5 matchs tranquilles en pro, histoire de mettre en jambes. Puis ensuite on verra au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? J'ai pas eu le temps de voir parce que maintenant les temps de chargement ont été améliorés. Et c'est quand même autre chose. Ah c'est le match de coupe le prochain. Ça c'est un peu con par contre. Ça c'est un peu con. Bref, et si je veux voir le championnat, ça se passe comment là? Premier buteur, on s'en branle. Bon, attends, si j'appuie ici, rechanger de compétition, voilà, on est deuxième au général, seulement devancé par Lincoln City, on a le meilleur goal average du coup parce que on vient d'en mettre 4 quoi, donc forcément ça aide un petit peu. Tranmere, Lincoln, Bury, Crewe-Alexandra, Exeter, Mansfield, ok d'accord, et donc nos victimes du jour, ils étaient... Ils avaient gagné leur premier match 2 buts, 3 buts à 1. Et on leur a collé une jolie petite dégelée. Je vais pas pleurer. Je pense que c'était contre Northampton, leur premier match d'ailleurs. On va peut-être pouvoir voir ça ici. Alors attends, tac. Grimsby Town. C'est bien qu'ils aient rajouté ça. Ah non, c'était contre Forest Green, ferme ta gueule. Bien, allez, je vais couper la vidéo ici, je fais les 2 petits jours administrativement et on se retrouve pour le match de coupe contre Bury, à tout à l'heure. Allez, ce sera le 3ème et dernier match de cette vidéo, ce sera un match à l'extérieur contre Bury dans la Carabao Club Cup, bien évidemment une coupe brésilienne en Angleterre, tout le monde la connaît. On va en rester là, hein. Après on fera le prochain épisode probablement avec Oldham.
Cheltenham et Mansfield. Parce que là, l'épisode, je pense, va déjà être relativement long. Je vais essayer de le charcuter pas mal, mais ça va quand même être assez long. Avec les matchs, etc. Alors, il s'est pas passé grand chose dans cette interlude. Simplement, j'ai vendu Kislow pour 230 000. Truc de fou parce qu'il valait beaucoup moins. Bon, je récupère que 150 000 parce que, comme d'habitude, je me suis fait braquer à la sortie de la banque. Mais au moins, on récupère pas mal de thunes. Maintenant, il va falloir que je fasse gaffe parce que, en termes de nombre de joueurs, j'en ai plus tant que ça. Alors, attendez, est-ce que c'est la liste? Non, notamment. C'est pas là. C'est pas là, c'est accueil équipe. Je ne suis pas habitué. J'ai pas pris FIFA 18. Si c'était dedans, je l'ai jamais vu. Ouais, on en a un. Lui, c'est un prêt. Donc, toujours un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Prêt. 8, prêt, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et prêt. J'ai exactement 15 joueurs qui m'appartiennent pour l'instant. Autant vous dire qu'il va falloir qu'on songe à recruter sérieusement. J'ai 5 joueurs prêtés, j'ai 20 joueurs au total. Le calcul est assez facile à faire. Donc voilà, on va se pencher dès après ce match sur les recrutements éventuels à faire. Vous voyez que mes joueurs en plus sont plutôt fatigués à cause du match précédent. Ça annonce pas bien ce match de coupe. Allez, c'est parti. Mardi 14 août 2018, Bury Macclesfield, c'est parti. Premier tour de la Carabao Cup et un affrontement entre Bury et Macclesfield, ici au Gig Lane de Bury. Deux équipes qui sont désormais séparées par une division puisque Bury évolue en Ligue 1 tandis que le Macclesfield Town du Captain Whittaker évolue en Ligue 2, pardon. Le joueur à suivre, ce sera Nathan Blissett, auteur de 2 buts dans le match précédent. Il a impressionné malgré un certain manque de réussite, dira-t-on. Ça pourrait être un des joueurs dangereux à l'occasion de ce match. Une équipe inédite du côté de Macclesfield Town. Clarence Seedorf avait décidé de faire énormément de tournées. Du côté de Bury, Murphy dans les cages, une défense Edward, Stokes, O'Connell et Thompson. McFazean, Adams, Dance, Oshi et Lavery au milieu de terrain. Non, pardon. Je reprends. Oshi, Dance, Adams au milieu de terrain et Lavery associé à Daniel en pointe. 5-3-2 donc du côté de Bury. Du côté de Macclesfield Town à présent, Taylor donc dans les buts, une défense personne, Williams, Grimes, Welshies, Rose à la récupération, Vincenti à gauche comme d'habitude, Evans à droite, non c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, c'est Evans à gauche et Vincenti à droite, Whittaker en meneur de jeu et Smith associé à Blissett en pointe. 39 minutes de jeu avant de voir une première occasion, hein, semblant sérieuse, un corner tiré par Michael Rose. Michael Rose, l'artilleur qui tire, c'est pour la tête de Vincenti, mais sans problème pour Murphy, qui n'a qu'à se baisser pour ramasser le ballon. Deuxième mi-temps à présent, 64e minute de jeu, Welshies qui remet sur Smith, Smith qui parvient à remettre sur Vincenti, Peter Vincenti qui parvient à tirer dans un trou de souris, et ça fait 1-0 pour l'équipe de Macclesfield, après une heure d'un match très 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 long et très très peu technique, énormément de ballons perdus, d'erreurs de part et d'autre. Et c'est Peter Vincenti, le monsieur plus hein, de Macclesfield dernièrement, qui parvient enfin à débloquer la situation après donc plus d'une heure de jeu, une heure de jeu pendant lesquelles il ne se sera quasiment rien passé. Deuxième but hein, avec Vincenti depuis le début de la saison. 74e minute de jeu et ça pousse du côté de Macclesfield avec Smith qui part sur le côté droit. Smith qui récupère le ballon, il est face à Thompson. Le centre de Smith c'est pour personne, mais personne qui rate sa reprise. Et une nouvelle fois Murphy n'a qu'à se saisir du ballon. On est dans les arrêts de jeu à présent. Dagnall qui récupère le ballon, qui remet sur Adams. Ça revient sur Dagnall, la frappe de Dagnall complètement écrasée. Taylor qui n'a qu'à se baisser une nouvelle fois. Peter Vincenti donne la victoire et la qualification à Macclesfield United. Mais que ce fut dur pour les Silkmen une nouvelle fois dans ce match. Ils ont énormément souffert face à une équipe de Bury qui pourtant a montré de très très grosses limites techniques. Ça passe, 1-0 pour Macclesfield à Bury. Bon, ça passe, mais putain quelle purge ce match. Oh, il était dégueulasse, mais il était vraiment horrible quoi. Ils ont la possession, globalement ils ont dominé. Ah putain, c'est vrai, il faut à chaque fois que je touche sur quelque chose, sinon ça part. Globalement ils ont dominé, on finit avec autant de tirs et de tirs cadrés de part et d'autre. On marque un but de raccro. Mais c'est limite pas un but, c'est une escroquerie quoi. Genre passe,
repasse, trépasse. Ah bah j'ai la balle. Il résiste un peu autour du défenseur et puis il la place. Bon bah voilà, à partir de là. Et c'est honnêtement. Enfin voilà, regardez le résumé du match quoi. C'est quasiment la seule vraie action chaude. Enfin, action qui puisse amener un but du match. Les deux autres tirs cadrés, ils servaient à strictement rien. C'était. Il était dégueulasse le match. Franchement, il était vraiment, vraiment dégueulasse. Par contre, je dois reconnaître que. Il y a quand même un petit côté réaliste qui est pas déplaisant. Par rapport au dernier auquel j'ai joué. Je suis pas. Après mon match de que j'étais un peu forcé de faire là au début entre le PSG et la Juve et le PSG, j'ai pas eu de bonnes sensations sur le jeu. Je me suis dit, je vais pas l'aimer. En fait, il est pas si mal que ça quand même. Hein. Bref, allez, les notes du match vite fait. Donc ça, bon voilà, hein, c'est qui c'est qui a la meilleure note? Williams? Ah non, c'est Smith. Smith qu'on a fait sortir. Il fait quoi? Il fait la passe D, j'imagine. Ouais, il fait la passe D. Il fait la passe D. Blissett a été assez transparent. Pas, pas un seul tir cadré. Oh ah d'accord. Il y a deux tirs cadrés, les deux c'est Vicenti et Williams qui a mis une tête qui est pas passé loin, je crois. Sinon ça a été la crise. Hein. Ah ça a été la crise offensive ce match. Et je pense que en face ça doit pas être beaucoup mieux. Ah si, y a un attaquant qui a réussi à faire une frappe cadrée quand même. Non, c'était vraiment pas un beau match, tout simplement. Un match un petit peu dégueulasse comme on les aime. Bien. Eh ben on va avancer. On va avancer, on va faire un petit point. Donc, du coup, c'était la coupe là, hein, c'était la Carabao Cup. Et je sais pas, il y a Leeds quand même, qui s'est fait péter par Ipswich Town d'ailleurs, 2-0. Je sais pas si c'est pas le. Si c'est pas le. Oh putain, Luton Town, ils sont classe en maillot. Je sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref, allez, on va presque en rester là. On va juste terminer. Non, on va en rester là. On va en rester là et on se retrouvera pour le prochain match. Donc le prochain match, ce sera contre Oldham. C'est dans 4 jours. Donc vous dire qu'il va falloir être bien reposé. C'était le premier épisode de Last from Mac, notre petit mode carrière avec l'équipe de Macclesfield United. On va essayer d'avancer beaucoup plus vite. Hein, je vous l'ai dit que ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos de FIFA que j'ai pu faire. Parce qu'on va pas rester pendant 100 ans en 4ème division non plus. Hein. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite des événements. On va essayer de construire une équipe qui ressemble un petit peu à quelque chose. Parce que là, c'est vrai qu'on a une équipe hyper faiblarde et que ça va être compliqué de les faire évoluer. Mais décemment, on peut pas rester comme ça. Quoi, parce que là, c'est vraiment. C'est vraiment la crise dans l'équipe. On va peut-être garder quelques joueurs. Le petit Welsh Eyes, il me déplaît pas. Vincenti a quand même 32 ans, donc ça va être compliqué. Le petit Smith, il y a peut-être quelque chose à faire. Blissett, c'est dur. Rose Whittaker, c'est de la fin de carrière par contre. Faut voir avec Pearson, Taylor peut-être. Et pas oublier qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs prêtés dans l'effectif. Allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Cette fois-ci, c'est pour de bon. C'était le premier épisode de ce motif à carrière. Je vous dis à très vite pour la suite des événements avec l'équipe de Macclesfield. Ciao, ciao.